Et on revient tranquille à Madia Yari dans l'axe. Il a vu là-bas sur le côté. Il revient derrière avec Selim Bengriba. Qui lance sur le côté droit. Julien Deletras qui était démarqué. Zoubir, la frappe de Zoubir et la claquette de N'Djal Kolog. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hein. Il y a Marius Mbayam, il y a Amadia Yari qui va rentrer derrière au second poteau. C'est bien tiré. Et le gardien qui a fait une bonne sortie, qui vient récupérer ce ballon au point de pénalty tranquillement. Attention à Marius Mbayam dans la surface de réparation avec Manu Pérez. La frappe de Zoubir et l'arrêt d'Enjan Colonne. Attention Hugo. Allez Hugo. Aïe, le ballon qui est sorti avec Manu Pérez. Il faut changer de côté Manu. Allez, revient sur Abdallah Zoubir. Il y a Fares Hachi qui demande là-bas, côté droit. Voilà qui a le ballon. Ah, et le hors-jeu qui va être sifflé par monsieur l'arbitre alors que Jean-Mathieu Descamps était bien parti. Voilà. Attention encore une fois à Maxime Rass. Ça a été encore très très chaud cette passe. C'est Jean-Mathieu Descamps qui récupère ce ballon avec Hugo Sansi qui est taclé, monsieur l'arbitre. Et le premier carton, oui, pour Maxime Jass, effectivement. Il a vu Marius Mbayam, il l'a vu. Ah, mais il a vu Julien Deletras qui va essayer de centrer Julien. Ah, c'est bien fait sur Ouzoubir. Et qui nous disait effectivement, quand on regarde les matchs du GF38, quand on arrive à aligner plus de 4 passes sur une action, on arrive à une action dangereuse. Et là, encore une fois, Ouf, là, Selim Bengriba qui va prendre le jaune. Alors attention, on va essayer de regarder quelle est la couleur du carton que va me sortir monsieur l'arbitre. Ah, c'est jaune, c'est heureusement. Voilà. Il faut le dire, ils vont sur des terrains, c'est des gens qui se chient dessus, excuse-moi du terme, c'est peut-être pas beau de le dire, mais c'est des gens qui sont comme ça et qui n'osent pas prendre leurs responsabilités. Alors aujourd'hui, on a la FFF, on a tout ce qu'on veut, mais on a tout sauf des arbitres et sauf des gens compétents dans le milieu de la... Ah, c'est au premier poteau. Allez, Selim, il faut mettre la tête. Il faut garder ce ballon, c'est Selim Bengriba qui tente la retourner. En train de se replier, Manu Pérez qui va essayer de passer avec Marius Mbaya. Marius la frappe et ça passera au-dessus. Ah, il a vu côté droit Julien Deletras, ils s'en sont sortis, les Grenoblois, ils s'en sont sortis. Julien qui va tenter au deuxième poteau, les Hugo Sansi à côté. Et monsieur l'arbitre qui siffle la mi-temps, ici au stade des Alpes. Mi-temps. Ses instructions ici et c'est pour lui. Allez, Manu Pérez qui a bien donné son Fares Hachi qui a donné dans l'intervalle à Jean-Mathieu Descamps qui va pouvoir peut-être donner à Fares Hachi, allez, avec Abdallah Zoubir et but. But Abdallah Zoubir. Et oui, les Grenoblois qui ont fait l'effort. Manu Pérez qui va accélérer. Il va accélérer Manu. Faut pas qu'il lâche le ballon, faut pas qu'il le perde. Il demande à Jean-Mathieu Descamps de partir. Jean-Mathieu Descamps qui est parti. Sur Abdallah Zoubir. Et le deuxième but. Abdallah Zoubir et Jean-Mathieu Descamps encore une fois. Grenoble qui mène 2-0 ici au stade des Alpes et qui joue à 10 contre 11. À la 62e minute de jeu, Cédric.
à Grenoble. C'est hors. Mais c'est pas possible. Mais il est malade ce bonhomme. Un petit joueur! Un but! Un voyou! Un petit joueur! Un but!